travaille aujourd'hui sur la côte basque pour la marque de surf de Decathlon qui s'appelle Olayan. Donc je conçois et développe des produits pour les surfeurs du monde entier. Mon parcours à l'UTBM, en fait, je suis rentrée après une prépa PTSI de 6 mois et donc j'ai fait une rentrée en février en décalé et j'ai fait mon cursus comme ça en décalé quasiment tout le temps. J'ai fait la fin de mon tronc commun au Danemark, donc j'ai passé 6 mois à Copenhague, puis j'ai rejoint la filière EDIM où je me suis spécialisée plutôt en ergonomie, donc dans la filière ergonomie, innovation, conception. J'ai fait deux stages, dont le premier en Australie, où j'ai travaillé avec une entreprise qui fait des produits composites. Donc ça, c'était super, super intéressant. Puis j'ai fait une césure de 6 mois pour profiter un peu de la vie sur place. Et j'ai fait mon dernier stage chez Decathlon sur un périmètre textile, donc ce qui était complètement nouveau pour moi. Et donc j'ai une grosse recherche à faire sur le développement de polytextile, donc super intéressant. Et j'ai ensuite été embauchée donc sur du textile au départ et puis aujourd'hui du coup sur du matériel. Donc je trouve qu'on est très bien formé. Moi j'ai pu le voir notamment en passant sur du textile, que peu importe le type de produit sur lequel on travaille, le bagage technique qu'on a nous permet de bien comprendre le processus de conception d'un produit, peu importe sa nature. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et on travaille beaucoup en collaboration, ce qui est pour moi un point clé de mon métier aujourd'hui. Je ne fais que ça, travailler avec beaucoup de gens à droite à gauche. Voilà, donc je trouve que c'est très concret, notre formation, et très réaliste sur aujourd'hui la manière dont sont faits les produits. Voilà.